Il y a une chance d'en finir. Écoute, on n'a pas sorti comme on allait sortir, c'est le bon bout là-dessus. Ce qu'on a fait en troisième période, il aurait fallu le faire en bas. Quand même qu'on cherchait là, trouver un bouc émissaire pour la défaite. Il a fait des quêtes. On n'a pas joué le type d'hockey, il fallait jouer pour un. C'est arrivé aussi dans la série comme Sean Bougan. C'est quelque chose que vous redoutiez, ça, cette avance-là de 3-1? Ben, elle ne redoutait pas. Je savais mon âme d'être en avant 3-1, sauf que il fallait sortir plus fort. Mm-hmm. On n'a pas sorti comme on était capable. Puis c'est comme ça. Eux ont-tu joué? As-tu senti qu'ils avaient joué avec un style différent, avec l'énergie? Ils n'ont pas changé. Ils ont joué de la même manière. T'sais, ils ont joué de la même style, ils ont gardé leur jeu de la même manière. Ils ont pris plus de chance. Là. En deuxième, ils ont impliqué plus le défenseur en zone offensive. Là-bas, on avait fait un changement, on avait joué en défensive de zone. Ça nous a fait mal en deuxième période. En troisième, on est revenu plus en position. Fait que, on comprend beaucoup les vies de Shawinigan et de Gatineau 3-1, mais je pense pas que vous soyez dans le même état d'esprit. Vous n'êtes pas dans une zone de confort, c'est de l'autre côté, ils vont jamais abandonner, dans le fond. Ah, oh, mais Shawinigan n'a pas abandonné non plus. Mais tu sais, je suis content de voir qu'on est capable de jouer comme on joue en troisième. Tu sais, on a eu 17 lancés, on a été beaucoup plus menaçants. C'est comme ça qu'il faut jouer. Simple que ça. Je veux dire, il ne faut pas. Quand même, on chercherait une excuse ou une raison. Je veux dire. Bon, on n'a pas sorti comme on aurait dû sortir. Ça. Vous avez vu un avantage numérique ce soir à 4-4? Deux. Ouais, on en a un 4-4. Deux buts à l'avantage numérique. Oui. OK. Ben, en fait, c'est là où je m'en vais. Difficile de marquer à 5-5. C'est sûr que c'est plus difficile, mais écoute, on a quand même eu quelques bonnes chances de marquer, puis en début de troisième, pour mettre ça plus fort au début. Dans les 10 premières minutes de la troisième, on a eu de bonnes chances, on n'a pas mis de temps. Des choses qui arrivent. La bonne nouvelle pour vous, c'est que ce n'est pas une série de homers. Vous avez la chance de faire ça là-bas. C'est sûr que ce soir, on n'est pas content d'avoir perdu un domicile. Il va falloir faire le même coup là-bas. Pourquoi si on oublie et passe à la prochaine? Il y a une autre affaire que ça. C'est-à-dire, il faut ce soir, il y a ça à la maison, puis ce groupe, puis demain, on va partir à midi, puis on va se préparer pour. Je vais décider un match du dimanche soir. Kevin, il semble être en forme de mal. Pour un gars qui était blessé, je suis pas blessé. Il est très bien performé. Il est pas mal joué. Il joue un bon match. Il fait des belles présences. Il est bien pour ça. À tous les autres, mais là c'est allé sur le bord. Exactement, je pense de notre côté, on a été plus discipliné à notre façon de jouer qu'on l'a été lors des deux derniers matchs. Je pense que notre puck management a été bien meilleur. Sans aucun doute, donc les gardiens de but. Il était très solide ce soir dans les moments opportuns. Notamment là, qui a fait en troisième période, là, je pense que c'était un arrêt sensationnel. Leur gardien de but, eux autres, n'a pas connu un grand match. C'est évident que si notre équipe a réussi à marquer 5 buts, 24 en réalité, c'est parce que je pense que leur goaler passe à travers.
selon moi, ça a été les deux facteurs ce soir. Notre puck management qui a été bien meilleur et dans les filets. Ils avaient encore à 10 lancés après deux périodes, comme samedi passé. Ça ressemblait à la même affaire que samedi passé. Tu as eu peur quand tu viens te le vivre deux, trois fois, là, ça va finir par aller sur notre bord. Quand ça fait trois lignes que tu perds, dans 5, 6, 7 dernières minutes de jeu, peur, je ne sais pas si c'est le bon, mais okay. Il semble que le temps ne roule pas vite. Mais je pense qu'on a bien fait ça. On a profité d'un rebond favorable. Nos joueurs clés ont été très d'appoint ce soir. Puis, je pense que c'est une très bonne recette de succès là, pour les salles. Tourner chez vous, tu veux pas en faire une troisième chez vous? Sinon, ouais. Si tu n'as pas de gagner chez vous, tu en fais une troisième chez vous. Ça, c'est clair. C'est clair, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, là, c'est vraiment de se reposer. On dépense beaucoup, beaucoup d'énergie, très peu d'espace à la glace. Puis, on va se reposer et on va essayer de se préparer pour dimanche. C'est bon.